Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 4 codes secrets d'Android à connaître pour accéder aux fonctionnalités cachées. Ces fonctionnalités sont invisibles depuis les paramètres de votre téléphone Android, mais ils sont accessibles en composant des codes secrets directement dans l'application téléphone. Voici donc la sélection des codes les plus utiles. Sincèrement, ces codes, je les teste sur les marques Samsung et Xiaomi. Il y a des codes qui marchent sur les deux marques. Il y a des codes qui ne marchent que sur l'une de ces marques. Je vais vous préciser minutieusement les codes qui marchent sur Samsung et les codes qui marchent sur les deux et les codes qui marchent sur Xiaomi. Je vous invite à les tester dans les autres marques et partager avec nous les résultats via les commentaires. Pour utiliser ce code, donc commencez par ouvrir l'application téléphone. Si vous allez utiliser après le clavier pour taper les codes en entier. Le code s'exécute automatiquement une fois tapé. Vous n'avez pas besoin d'appuyer ici pour l'exécuter. Dès qu'il est tapé, il s'exécute automatiquement. On commence par le code étoile 10 9 9 0 0 10. Voilà le code qui s'exécute automatiquement. Une fois ce code s'effectue, un menu sus-dump s'affiche. Cliquez sur Delete Dump State Logate. Delete Dump, OK. Donc, vous venez de faire un peu de ménage en supprimant les fichiers journaliers des systèmes et des applications. Ce code fonctionne sur Samsung Galaxy. Je l'ai testé sur Xiaomi, ça ne fonctionne pas. Le deuxième code, étoile 10 26 63 10. Voilà le code qui s'exécute automatiquement. Et ce code permet de résoudre tous les problèmes Wi-Fi. Donc, si vous rencontrez des problèmes Wi-Fi sur votre téléphone, ce code vous permettra de les résoudre. Après l'avoir tapé, vous pouvez cliquer sur le bouton Refresh Wi-Fi Version qui mettra à jour la version micro-logicielle du Wi-Fi. Votre smartphone va redémarrer pour effectuer cette mise à jour. Il fonctionne sur Samsung Galaxy, mais pas sur Xiaomi. Le troisième code, c'est étoile 10 06 10. Ce code affiche le numéro IMEI de votre téléphone. Et le code IMEI, c'est International Mobile Equipment Identity, est un numéro qui permet d'identifier votre appareil en utilisant le réseau mobile. Il est composé de 15 à 17 chiffres. Il s'agit d'un numéro d'identification unique qui sert aux opérateurs mobiles à autoriser ou non l'accès à leur réseau. En tapant ce code, vous accédez aux deux numéros de votre téléphone. Nous avons IMEI 1 et IMEI 2. Ce code fonctionne sur Samsung Galaxy et aussi sur Xiaomi. Le quatrième code, c'est étoile 10, étoile 10, 46, 36, 10, étoile, 10, étoile. Ce code vous permet d'avoir des informations sur votre téléphone et votre usage de data. Vous accédez à l'environnement de test en tapant ce code. Il se divise en 3 onglets. Informations sur le téléphone, données statistiques et Wi-Fi. Le premier, sans doute, est le plus intéressant dans la mesure où il affiche le code IMEI, type de réseau, le type de réseau, l'intensité des signaux ou encore la vitesse de la bande passante. Il fonctionne sur Xiaomi, mais pas sur Samsung Galaxy. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos.